Les présidentielles, c'est une mascarade. Les présidentielles, c'est des gars qui sont là uniquement pour avoir quoi? Le trône. Et allez hop, je m'installe pendant 5 piges, et vas-y, je me fais du caviar, du champagne à tous les repas. C'est ce que c'est, toi, de se dire qu'on est en train de rater sa vie? Bon, je vis du RSA. J'ai aucune perspective professionnelle, j'ai pas de gonzesse. Et tu te trouves un autre manager, moi je travaille plus avec toi, tu vois? Mais tu peux pas rester comme ça, faut que tu trouves une solution, je sais pas moi. Alors, question numéro 1. T'es plutôt Jacques Brel ou Christophe Willem? Christophe Willem. Donc d'un côté t'es un monument de la chanson française, de l'autre côté t'es un gars qui se fait surnommer la tortue. Toi tu choisis la tortue. Il y a quoi de violent là-dedans? Mais là c'est juste une tête avec un petit logo, c'est quoi le problème? Mais je déconne pas, cette fois je vois tes fans, mon pote. Bonjour, je suis votre voisine du dessus. Enfin, je voulais m'excuser pour le bruit que fait mon colocataire et puis je voulais prendre de vos nouvelles. Je voulais savoir si tout. T'es pas italienne, toi? Non. Mon père, il est algérien. Allez-y, comme chez vous là. Et je suis chez moi. Alors soit vous me payez tout de suite, soit j'appelle les flics et je vous fais expulser. Recherche gardien de nuit dans un studio musical. Ah mais moi je suis chanteur, je suis pas gardien de nuit moi. Si tu fais expulser, ça veut dire moi aussi, je vais me retrouver à la rue. C'est pas un facho ton père, Cynthia. Pourquoi il veut plus te voir? Qu'est-ce que tu prends la tête avec la politique ça? T'as même pas le droit de vote mon frère. Viens vite à la Bastille là, ces enculés se foutent de notre gueule. On va leur montrer c'est quoi la révolution. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu. Un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. Oh l'imprésidente! Calme-toi là, c'est pas lui qui va payer ton loyer le mec hein.